Yes, YouTube, c'est Sean Kazma et... C'est elle qui rapproche un chouïa le micro parce qu'elle l'avait reculé. Pardon. T'abuses, je suis sûr que ça va faire des pets en plus non, à côté de toi. Non. On est Tipar aujourd'hui, monsieur dame, pour une nouvelle aventure incroyable. On est en live, on est en coop et aujourd'hui, on va jouer à Goof Troop. Vous le voyez à l'écran, c'est un jeu d'action-aventure où on va incarner Dingo et Max. Je pense que vous les aviez déjà reconnus. Deux des plus grands héros de la firme de chez Disney, avec Mickey, Donald, Riri, Fifi, Loulou, Picsou. Bon, vous les connaissez au bout d'un moment. Et en fait, on avait eu une petite discussion il y a 2 minutes sur les progénitures. Et en fait, il s'avère que Dingo est le seul qui a eu un fils. Techniquement, Donald a des neveux, hein, Riri, Fifi, Loulou, comme on l'a dit. Mickey n'a pas d'enfant. Voilà, ah non, lui et Minnie, leur... ils se sont dit que... C'est peut-être les non, mais il me semble que c'est ses neveux aussi, parce hein, que je crois pas que c'est ses enfants. C'est Picsou, l'oncle. T'es sûr? Ah, oncle Picsou, je suis oncle Picsou, oui. Mais il me semble que c'est aussi oncle Donald, hein. Je crois pas que ce soit ses enfants, de base. Donc pour moi, Dingo est le seul qui a eu des enfants. C'est un jeu que vous nous avez réclamé depuis quelques temps, notamment, et encore une fois, c'est Nanou qui l'a proposé, parce que c'est toujours Nanou qui propose les meilleurs jeux. Non, mais c'est vrai que n'hésitez pas à nous en proposer, parce que la plupart du temps, c'est moi qui les propose, mais vous avez le droit aussi d'amener vos jeux et de nous dire « Voilà, moi j'ai joué à ça quand j'étais petit, et tu vas voir, c'est trop trop bien. » L'histoire va vous être racontée. Normalement, si je me trompe pas, on part à la rescousse de Pat et de son petit-fils qui s'appelait je sais plus comment. Mais du coup, l'histoire nous a raconté. C'était une journée idéale pour pêcher à Loufoqueville aussi. Loufoqueville. T'es sûr que c'était pas un P ? Non, Loufoqueville, ça me paraît bien. Dingo et ses amis sont-ils sortis en mer pour je ne sais pas trop quoi ? Naviguant au large à la recherche de gros poissons, Pat et... Ce serait bien de mettre en entier la phrase. Et Junior ? Il s'appelle vraiment Junior, ok. Patibulaire a un fils, il s'appelle surpris PJ. Surpris dans l'ombre. Il s'appelle comment ? Patibulaire a un fils, il s'appelle PJ. PJ. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi il l'appelle Junior dans le jeu, du coup ? Bon, bah, ok. C'est pas de Junior. Bon, du coup, le scénario, vous l'avez en fond, hein. Je suis désolé, on n'aura pas eu le temps de le dire exactement. Des c'est pas grave. Hallucinations olfactives, mais j'ai l'impression que ça sent les pattes. La nana un peu trop déterre avec ses pattes. Elle arrête pas de me parler de pâtes tout le temps. Elle rêve de pâtes, elle mange des pâtes, elle vit de pâtes. Elle j'ai pas rêvé de pâtes cette nuit, j'ai rêvé que je pouvais pas prendre ma douche. Tu m'as pas parlé de pâtes hier soir ? Je sais pas. Je suis sûr que tu m'as parlé de pâtes récemment. PJ égale Pat Junior. Je suis sûr que tu m'as parlé de... Pat Junior, d'accord. Ouais, mais PJ, c'est plus stylé quand même. PJ. Non mais déjà, ça fait un peu plus la Tessie, parce que Junior, c'est Junior quoi. Alors, ce qui est marrant avec le jeu, c'est qu'on peut jouer à la fois en solo et en coop, mais on peut aussi choisir son perso. Et en l'occurrence, vu qu'on va jouer à deux, je vais jouer le grand dadé, bien évidemment. Et toi, tu vas jouer le petit gosse cool, hein, voilà. Parce que... Cool. Non, c'est juste pour la taille, en fait. Moi, je savais même pas qu'il avait un fils, j'aime pas Disney, alors. Mais tu sais qu'il y a eu un film, je crois même qu'il y en a eu deux. Un premier où il est tout jeune, où ils vont faire du camping, et un deuxième où il va à la fac. Et j'aimais beaucoup ce film quand j'étais plus petit, je te le montrerai un jour. J'ai jamais vu aucun film. Non, mais je te le montrerai un jour. Du coup, c'est une île qu'il va falloir explorer. Aucune BD ni rien. Mais tu sais, moi non plus, c'est juste que je connais un petit peu les univers, très vaguement. Non mais, je t'en montrerai, puis de toute manière, vu que je compte acheter la collector intégrale de Picsou, je pense qu'on va pouvoir commencer à apprendre des choses sur un peu les personnages de Disney. Du coup, on sait pas trop comment ça joue, on a juste configuré les touches globalement, on est sur NES au cas où s'il y a des personnes qui sont intéressées. On est sur émulateur bien entendu, c'est pour ça qu'on a une qualité of Doom. Et du coup, on a une seule capacité pour le moment, c'est se rendre à la police. Voilà, globalement. Mais du coup, bonsoir aux Kazma qui nous rejoignent. Ne regarde pas maintenant, mon petit. Vas-y, prononce-le parce que moi j'ai pas su le prononcer. Kill Owl Pete. Le féroce roi pirate est de retour. D'accord, donc en gros, il y a un méchant dans l'histoire, il va falloir l'affronter. On peut aller en haut ? Ouais, alors on peut aller en haut, on peut aller à droite. En fait, c'est ça, ça se joue un peu comme un Zelda-like, je trouve. Après, c'est selon moi. Hein. Oh, et du coup, on peut prendre des pots de fleurs et les ballards ! Ouais, sur les ennemis ! Alors, je pense que le gros, il encaisse deux coups. Tu m'étonnerais pas en soi. Yay. Par contre, reste à savoir, c'est quoi les étoiles ? On peut pas les. Oh ! Comment t'as fait ? Bah, en fait, tu fais A, le même bouton pour lever les bras là. Comme quand tu te rends à la police. Yay ! Wouah ! Mais en fait, on est trop des Thug Life. Tu vois ? Ouais, c'est ça en fait, tu peux. Attends, dommage. Oui, vas-y, pousse-le. Contre moi. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Ça va ? Non, mais ouais, je l'ai fait exprès. Attends, je te laisse une banane. Par contre, attends, la banane ça rend de la vie. Oh, what ? Regarde ! Oh, mon pied ! Oh, c'est génial ! Vas-y, fais-le pour voir. Fais-le. Vas-y, tape-toi le pied. Que je vois un peu. Oh, la tête. T'as une paluche, elle est plus grande que ta tronche. Mais on peut pas récupérer les éléments du chaos. A mon avis, on va obtenir des capacités. Ah oui, attends, allons voir à droite. Parce que du coup, on a globalement lancé le jeu 2 minutes histoire de configurer les touches. Et on est allé les voir la première fois à droite. T'avais récupéré un espèce de pistolet grappin. Et je me demande si ce pistolet grappin, ça va pas te permettre de tirer des caisses à l'inverse. Et ça, bah ça rend de la vie en fait. Attends.
Tu veux un cœur de plus peut-être? Non, je veux pas. Non, mais bon, j'ai autant de cœurs que toi. What? Ça fait disparaître. D'accord. Ok, alors t'as 6 cœurs de vie et quand on a un 7ème, en fait, ça accumule une vie. Mais du coup, je sais pas, est-ce que j'ai plus de vie? Du coup, fais voir, appuie sur une autre touche que fuck. Oh! Police. Oh, attends, viens voir, parce que ça se trouve, maintenant tu peux attirer les caisses. Oh, ça va être trop bien. Je vais me les prendre sur la gueule. Mais non, c'est de la stratégie, il faut l'adopter. Ah! Du coup, globalement, le jeu dure pas trop longtemps normalement. De toute façon, on verra bien, hein, on le découvre en même temps que vous. Mais non, ça s'annonce bien, hein, donc c'est pour ça. Oh yeah! Ok. Oh yeah! Ok. Et comment on peut se défendre face à l'ennemi? Genre, si tu le croises devant toi, tu peux pas lui donner un coup de pied? Non, tu peux pas. Non, ça marche pas du tout? Non. Mais c'est tout nanaze. Mais si! Attends, à l'opposé, attire la caisse! Attire la caisse! Mais je peux pas! Non, le tonneau! Enfin, la caisse, le tonneau! Tu vas à l'opposé, et ensuite t'attires le tonneau. Tu peux pas avec ton grappin? Attends. Mais je peux pas attirer. Ah, tu vois? Ah, le tonneau, d'accord. Voilà, bah j'ai dit le tonneau, hein. Ok, du coup on a récupéré la deuxième onde du chaos, check ça. Eh, the travail d'équipe, attends. Du coup ça donne une vie en plus. Je sais pas, oui apparemment. Mais attends, tout donne des vies en fait dans le jeu. Oui je crois. C'est incroyable. Bonjour monsieur. Du coup dit quoi lui? Tu sais l'île de Lofotville. Et des calmes avant que Killer Pete me sorte de la baleine. On s'accorde, est-ce que tu lis ou est-ce que je lis? Je sais pas, bah t'as qu'à lire quand tu parles. D'accord, celui et... qui envoie le dialogue. Une cloche il... Oh c'est quoi ça? Des balourdes. Ouais. Ah j'ai laissé mon pistolet du coup. Tiens tu peux le prendre. Attends, hein? Ah t'as un super pouvoir là? Bah écoute. Attends, t'as une nouvelle capacité? Ah c'est ça. D'accord, t'attires des ennemis. Comment tu fais le machin? X. Ah d'accord. Raté. Oh bien joué! T'as vu ça un peu? T'as carrément quand on les expulse en dehors de l'écran. Moi j'ai une pauvre cloche. Ah mais en fait je pense que tu les attires réellement comme ça, ouais. Stratégiquement moi je peux faire des trucs à côté. Oh c'est trop. Pardon. Mais tu vas calmer le fiston! Non mais c'est quoi ça, le respect des morts! Alors, oh! Y'a un deuxième pistolet grappin. Attends, on peut pas? Non on peut pas. Ça! Oh bien! Ok, donc si tu leur envoies des coups de grappin! Ouais, ça fait des choses bien! Tu non mais que je prendre le grappin coup, Non, je pense que c'est plus stratégique, on est chacun un truc. Alors, parce que honnêtement, si tu les attires, ça peut faire de belles strats. Je vais choisir on va en haut ou à droite. Parce que du coup, je sais pas du tout. Vas-y, je te suis. D'ailleurs, tu vas plus vite que moi. Hein, on n'en parlera plus pas. Moi, je suis plus vieux. Hey oh, non, mais je pensais vache. Pas que t'allais le dire. Nya saloperie, va. Vas-y, déglingue-la. Déglingue-la. Ouais. Oh, par contre, ça va être compliqué. Ah, j'arrive pas à toucher. Wow. D'accord, très bien. À part lui balarder un truc sur la tête, ça va être compliqué. Oh, j'ai compris. Attends. Oui, il va falloir faire les trucs. Putain, ouais, d'accord. Non, mais j'avais pas vu, moi, c'est pour ça. Ok. Bah, esquive-la, autant que tu peux, esquive-la. Bah oui, mais on peut, pas, le... on peut pas remettre ah, bah, la bon. Dernière. Bah non. Bah si, regarde, la porte, elle s'est ouverte en haut. Ah bon? Ah, bah à mon avis, regarde, il y a une porte à gauche. Ouais. Tout en bas à gauche. Go. Sauf que du coup... bien ouais, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Attends, bonjour. C'est une pelle. Oh, j'ai obtenu une pelle. On peut pelleter la terre. Vous pouvez utiliser la pelle là-bas. Vous trouverez peut-être un trésor de pirate caché. Ok. On se croirait vraiment dans Zelda en l'occurrence. Attention. Par contre, ça va bien. Voilà. T'es où? Oh, t'es mouru. Ah oui, alors apparemment, on a des vies indépendantes. Hein. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'en ai 4. Toi, t'en as 2. Donc la prochaine fois, si on retrouve des. Pardon. Qu'est-ce que je t'ai fait, Max? Pourquoi tu me frappes comme ça? Ouais, donc, tiens, vas-y. Passe devant. Comme ça, tu récupères les cœurs. D'accord. En l'occurrence, j'ai pris le seul cœur qu'il y avait. Vas-y, pelle. Je pèle de la terre. Je pèle de la terre. Mais du coup, attends, parce que. Ah! D'accord, il se passe un truc. Je pense qu'il faut creuser aux bons endroits. Ok, là je pèle. Là je pèle. Là je pèle. Je pèle. Ah! Pourquoi j'ai. What? Ah, c'est bon. Ok, en fait, on peut pelter. Quelle horizontale? Me demande pas pourquoi. Le jeu veut pas que tu pèltes à la verticale. Ils ont pas fait d'animation pour pelter à la verticale. Chut, pas dire. Ah oui, on l'a pas dit, c'est un jeu qui est édité et développé par Capcom. C'est hein tout? Voilà, ouais, apparemment. Ah, attends! Ah! Dani? D'accord, ils ont fait une double animation verticale. Enfin, horizontale, mais pas une verticale. Hein. Non, mais sérieusement, quoi. Par contre, j'ai pas l'impression que ça aille plus loin que ça, donc. Que dalle, hein. Mais c'est trop triste! Wesh! Oh, banane! Pardon. Réflexe. Mais en fait, viens chercher. Fiston! Allez, mange des légumes! 5 fruits et légumes par jour. Ok, nice. Bon, j'ai pris les bananes, désolé. C'est faut que j'ai un peu plus de bananes. Lol. Ouais, bah ça va, hein, on se refait pas. Hein. Bah du coup, essayons d'aller à gauche. Ah, attends. Ah, tu l'as déglingus? Ouais. Oh, comment t'as géré? T'as vu ça un peu? Comment t'as géré? Ah, mais c'est bon, c'est ouvert en fait. Ouais. Chaque truc...
Ah c'est ouais, une d'accord. Une seule pierre qui ouvre une seule porte. Ah oui, fait. Je pensais que c'était les trois. Ouais, moi aussi. D'accord, dans un ordre ou quoi. Oula. Ouais, moi ça me fait peur les espèces d'hérissons Pokémon là, attends. Ya yeah. Elle veut pas mourir. Attends. Alors déjà, j'ai une pelle, sache-le. Hein. Une pelle qui ne sert à rien en combat. Faut pas qu'il soit en bout là. Je pense que j'aurais dû reprendre le grappin. Parce que. Mais pardon! J'ai pris un truc encore. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, ok. Bon, il en reste un, mais on a encore un max de ressources là. Enfin, un max de pots pour faire un max de combos. D'ailleurs, bah, je te laisserai récupérer l'émeraude du chaos. Oh, attends, il y a le pistolet grappin. Moi, je veux le pistolet grappin. Je peux? Ouais, vas-y. Ouais! Vas-y. Yay! Ouais! Bien joué, fils! Oh, ça, on donne pas direct, la clé. Ça donne direct on une vie en fait. Direct, direct? Ouais. Ah ouais, t'es pas. J'ai que ça? Ah parce que moi du coup j'ai 5 vies maintenant et toi t'en as 4. Eh tu t'es bien rattrapé hein, t'en as chopé 2 en un seul plan. Excellent, moi je dis oui. Moi je dis oui. Bon du coup on cherche une clé pour ouais, accéder bah, à la porte. Oui, logiquement. Après, n'oublie pas qu'il y avait aussi chemin, le pont. Oui. Voilà, il y avait le pont en métal. Ah par contre lui il est chiant. Ouais bien joué. T'es un fiston. Oh là là. Vas-y. Qualité hein. Ok j'y vais. Alors bonjour. Oula. On n'est pas du mauvais côté du monde, c'est gros. C'est un objet. D'accord, je pense que c'est un planche. Pont obligatoire et maintenant faut faire tout le tour. Enfin oui, c'est une ouais, planche du d'accord. coup. Ok, excellent, excellent. Bon par contre, ce moustique il me fait peur, pour de vrai. Oula, j'avais oublié. Attends, 2 secondes. Soy. Bien joué, bien joué à moi. Je suis tout content. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu gardes la cloche en fait, parce que bah, c'est peut-être rien. Plus stratégique pour la suite, mais pour le moment c'est pas ouf ouf. Hein. Ouais voilà. Ok, on a la planche. Oula, oula, oula. Ça beaucoup. Ouah. Casse-toi. Là-bas, vous allez vous tailler. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Non, je prends. Ok. Bon, maintenant, on commence à prendre un peu nos légumes ou nos fruits quand on les croise, hein, parce que sinon... Je me demande, on peut avoir combien de vie max? Parce que pour le moment, on en a 5, et j'ai pas l'impression qu'il y a assez de place pour passer au-dessus de 10, enfin au-dessus de 9, en fait. Donc ça se trouve, c'est pas possible. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe qu'on a un game over? Parce qu'on en parle pas assez. Bonjour, monsieur. Bonsoir aux Kazma qui nous rejoignent. Faites placer les blocs de pierre sur les emplacements avec les étoiles. Oui, donc ça, on l'avait compris. Vous allez avoir besoin d'un pont pour traverser. J'avais ici. En cassette, lui, et j'avais un jeu de skate avec Dingo et Max. C'est toi qui as le pont. Oui, pardon, oui, excuse-moi. Ça me dit quelque chose, le jeu de skate. Par contre, oui, moi aussi, je l'ai eu en cassette, le jeu. Ah, voilà. Non, par contre, les touches, je m'y fais pas encore. C'est pas évident, c'est X en fait pour les actions. Oh, y'a un œuf. Tu veux l'œuf? Bah, attends, moi, j'ai pas de. Qu'est-ce que. What the fuck Attends, on peut aller. Parce qu'il y avait une grenouille violette là qui sortait de l'eau. Tu penses que c'est une grenouille événement? Je sais pas. Qui sert à un truc en particulier? Putain, mais il y a tellement de saumon! Je peux pas prendre le pont? Non, dommage. Et lui, tu l'as parlé? Oh! Ça va faire un oiseau! Oui, je lui ai parlé, il a dit qu'il fallait un pont pour traverser. Bon, ok, bah écoute, bien joué. Eh, ça se trouve, t'as créé un truc pour plus tard. Peut-être que ça va servir. Oula, alors eux par contre fais gaffe parce qu'à un moment. Agaga c'est toi qui peux te défendre, c'est toi qui peux te défendre, c'est toi qui as le grappin, c'est toi qui as le grappin. Quoi? Bah le grappin, tu peux leur donner des coups. Avec. Ouais, quand t'es en ligne droite par rapport à eux. Mais il faut te réussir à te mettre en ligne. Bien joué! Ah non, tu les paralyses! Ah! Ouais, bah alors c'est moi qui devrais pleurer parce que moi j'ai pas d'armes. D'ailleurs, avec ton grappin, tu vas pouvoir nous dé. Ah! Nous dépanner après! Ok, je. Merci! Ah! Ah! Soy! Oh! Dommage. Ouais, je prends. Ok, nice! J'ai 6 vies. Par contre, attends, parce qu'il y a encore 2 pots de fleurs. Ah! Putain, c'est chaud! L'air de rien. Ah! Soy! Pas de toucher à mon fils. Ok, t'as le grappin, tu peux récupérer tout ce qu'il y a à gauche. Ok. Voilà, tu t'allies. Ah d'accord. Oui, non mais oui, bon, on s'en fout. Voilà, juste récupère le reste, parce que c'est important quand même. Voilà, manger 5 diamants et légumes par jour. Ok, nice. Enfin, diamant, émeraude, c'est exactement pas... C'est quoi la différence entre une émeraude et un diamant? C'est la couleur, non? C'est pas la même pierre. Oui, mais ça a la même forme, non? C'est pas la forme, c'est après que ce soit taillé. D'accord. Parce que du coup, revenons après, à Sonic. Effectivement, il y a une forme diamant, qui est la forme, genre les diamants, tu sais, le truc presque en triangle. Oui, là. Je vois, oui. Et les émeraudes, c'est genre comme les émeraudes dans Minecraft, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est comme ça, tac, tac. Mais tac, du tac, coup, parce que. Ça, c'est le nom de la forme aussi, tu vois. Revenons à Sonic X. Dedans, c'est techniquement des diamants, sauf qu'ils appellent ça des émeraudes. Donc, moi, je suis du père. Hein. Alors, attends, là, parce que. C'est de la strat basique. Alors, attends, parce que là, faut. Attends, le bouge pas. Hop. Hop. Ensuite, c'est vers le bas, gauche et en haut. Ok, nice. Vas-y. Et du coup, on récupère la clé, ce qui va nous permettre d'accéder à la porte qu'il y avait tout à gauche. Alors, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Ouais. Bien joué, fiston, vas-y. J'ai pas une mémoire de 3 secondes non plus. Ah bon? Ah, what? Ça compte comme un objet? Ah bah, attends, bah du coup. Oh. Par contre, on va devoir refaire tous les ennemis. Bah là, c'est toi qui vas gérer. Et bah, écoute. Mais.
Par contre, ça c'est pas évident, j'ai pas le réflexe de devoir rester appuyé pour la longueur adaptable. Oulala, oulala. On passe peut-être de l'autre côté, non? On peut pas le pousser. Oh oui! Je peux le pousser dans l'eau. Tellement bien. Eh, viens là! Eh, poteau! Eh, poteau! Eh, poteau! Voilà! Dégage! Vas-y, 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 hein. Avance pour nous deux. Ah, dans le plaisir! Oui, je l'ai eu! Ah, le plaisir. Tu m'as laissé faire, je suis content. Attends, oui, il y a encore l'œuf. Je vois la. Tiens. Pardon. Oh! Mange! Oh! Et ça craint encore un oiseau. Ok, bah j'ai pas compris. Je sais pas. Peut-être qu'il fallait récupérer, hein. Ça se trouve, on aurait pu la porter, la manger, discuter avec, genre de choses. Ah, c'est verrouillé! Comment on déverrouille? Et ben. Hop! Voilà. Peut-être en vainquant tout le monde, ce qui me paraît pas logique. Tiens, viens récupérer de la vie, fisson. Oh, bien joué! Bien joué, bien joué. Nice! En avant. Ensuite. Comme ça et. Attends. Fuck la police! Ouais! Par contre, j'ai pas bloqué le passage là. Non. Ah non, c'est bon. Ok. Non, parce que des fois, il y a des endroits où on n'est pas sûr de pouvoir passer. Ouais! Du coup, on est de retour ici avec The Bee la mouche. Oh, bien joué! Ça, comment t'as déglingué The Bee la mouche? The Bee de non respect, la mouche. Non, c'était à gauche. Ah. C'était tout à gauche. Tu sais où il y avait les hérissons? Ah oui. Ouais, c'était là. Et l'heure. Meurs! Meurs! Ensuite, on a des. Meurs! Bien joué! Meurs! Alors des fois on les tue, des fois on peut pas, je comprends pas. Ok, Fiston, t'as la clé. Par contre, pourquoi il y a une pelle ici? Déjà tout à l'heure il y avait une pelle. Ah non, c'est la pelle que j'ai laissée. C'est toi qui l'a posée, non? Ouais, peut-être. Ah! Tu veux bien le déglinguer, lui? S'il te plaît. Parce qu'il me perturbe. C'est-à-dire qu'il vibre devant moi, je suis pas fan des hommes qui vibrent. Vas-y! Oui! Travail d'équipe over! Ok, ok. Ah, je peux pas passer! Ah, le jeu dit fuck! Pourquoi le jeu dit fuck? J'aime pas quand les jeux disent fuck. Droite ou gauche? Enfin, en haut ou à droite? À droite. À droite toute! Curieuse. En avant! Oula! Ah, c'est là où on était tout à l'heure! Ah! Sauf qu'on est de l'autre côté. Pourquoi on a eu tous les deux le réflexe de foncer dessus sans rien? Moi, je veux bien, hein, pourquoi pas? Par contre, j'arrive pas du tout à comprendre combien de coups on peut encaisser en fait. Ah, da. Oh, oh, des légumes, des fruits! Putain, autre débat, considérez-vous une banane comme un légume ou un fruit? Non, ça n'a pas de débat, hein. C'est un légume. C'est un fruit. Je m'embrouille tous. Oh, c'est quoi cette clé? C'est une putain de clé. Ah, mais ça, c'est une clé de boss à la Zelda, hein. En vrai, y a un boss là. Attends. Bon, déjà ça. Attends, comment je veux. Hein? Sur la droite. Sur la droite, t'es sûr? Je sais pas. Ouais, vas-y, sur la droite. Vas-y, pousse sur la droite. Au pire, on reset. Ok. Mais comment cette pierre. Toi aussi t'as un bug système? Attends, on peut reset? Attends, non, attends, on essaie des trucs là. Non, mais non, ça marche pas. Attends. Mais pourquoi t'as voulu. Ah d'accord, j'ai cru que ça allait refermer la porte. Parce que en gros, voilà, celle-là elle va directement là. Et ensuite. Elle va en bas. Eh non, justement. Mais si. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est ça que je voulais faire. Oui, non, mais t'as pu copier mon idée aussi. C'était mon idée, c'est moi qui voulais faire depuis le début. Ouais. Aïe. Oh, pardon. Mais t'as pété la pierre. Mais j'y crois pas. T'as la vache. C'est tellement simple, t'as désinguste la pierre. Nana, elle passe devant, elle fait non, j'ai pas envie. Ensuite, tu fais ça. Oui, voilà. En vrai, le jeu, il est simple. Hein. Et nous, on galère. Par contre, t'arrêtes de faire fuck la police toutes les deux minutes. Tiens, par contre, c'est moi qui prends la clé, d'abord. Voilà, parce que c'est la clé du padré. Donc moi, je prends la clé du padré. Je peux pas donner des coups de clé. Oui, vas-y. Le pistolet grappin. Ouais. Du coup, on a bien fait de venir là, parce que ça veut dire que de l'autre côté... Tu penses qu'il y a des boss? Parce que s'il y a des boss, en vrai... Faut tuer tout le monde. Enfin, je crois, hein, parce que tout à l'heure, ça a marché quand on a tué tout le monde. Meurs. Ok, nice. Eh, des fruits. Meurs. Ok. Oh non. Tu te moques? Non. Pourquoi? Oui, bah oui, bien sûr. T'as de la chance que j'ai une vie plus que toi. Hein. Comment on les tue? Avec les pierres, mais... Ouais, j'allais dire, mais comment t'alignes les pierres? Parce qu'à la limite, si t'as une cloche, attire-les. Tu les attires dans mon couloir, là. Comme ça, moi, je fais... Tu vois ce que je veux dire? Tu les attires jusque là, tu les fais passer devant, et moi, je tire. Moi, je fais Inazuma Eleven. Inazuma Eleven fera de toi un champion. Oui, maintenant, gros malin. Ouais, bah je peux pas penser trop loin non plus. Hein. Bah vas-y, tu les attires ici. Aïe.
Vas-y, 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 vas-y. Et là, tu vas à gauche. Ou alors, tu vas derrière moi. Je sais pas. Comme tu veux. Ah non. Soy. Ouais. Bon, ça va, on en a eu 2 sur 3. Attends, moi, je dis. Ah, il y a de la progression. Nya, 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 nya. Hein? Je croyais qu'il prenait la pierre, il m'a fait peur. Soy. Ouais. Bien joué. Attends, oh merde, je peux pas reprendre mon pistolet grappin. Ah. Attends. Non mais c'est pas grave, prends la clé. Ouais, non, du coup, bah ça va reset. Bah, j'ai déjà la clé. Oui, enfin, je veux dire, mets la clé. Oui, bon, ça va. Non, moi, ce que je me demande, c'est s'il y a des boss. Est-ce qu'il y a des boss? Attention, révélation. Boss. What the fuck? C'est un chasse-taupe de boss. C'est trop bien. Vous en sortez bien. Merci beaucoup. Nous vous écraserons. Ouais. Du coup, je fais le premier boss et ensuite, je ferai le prochain. Nous vous détruirons. Et ensuite, ils vont être 20 000. Nous vous réduirons en bouillie. Il se répète. Hein. Mais du coup, c'est des triples. Oh la vache! What the fuck? Attends, est-ce qu'on peut pas récupérer leurs objets? Ah, c'est ça, on peut récupérer des objets. Oulala, oh ça va être technique, ah. Oh ça va être technique, oh ça va être technique. Soy! Dommage, ah, dommage, dommage. On peut récupérer que les bombes apparemment. Hein. Oula, 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 c'est quoi, oula, ça non. Ah non, ça pète ça. Et comment tu veux récupérer un truc? La bombe! Mais je me l'approche. Oui, mais il faut pas te mettre devant la bombe. La bombe, elle reste sur place. La bombe reste sur place. Non, elle rebondit. T'es sûr? Un petit peu. Parce que moi je l'ai vu tout à l'heure, elle restait sur place. Regarde. Ouais, What? Mais tout à l'heure elle sortait pas de l'écran. Ah putain. Attends, est-ce qu'on peut pas choper les objets en vol? Oh oui! Zbum, on peut choper les objets en vol. Ah d'accord, mais fallait le dire. Oh là là. Non, mais du coup tu lèves les bras à l'avance. Ah. Tu lèves pas les bras à l'avance. Bah oui, bah oui. Ah! D'accord. Par contre, que les tonneaux. Que les tonneaux. Soy! D'accord. J'ai! Bien joué! Ah Soy. Merde! Soy! Ah oh, la vache, c'est dur hein! Bien joué! Attends, parce que ce serait dommage de se faire merde. Un premier game over là. Est-ce qu'on peut avoir les bombes? Oui, on peut avoir les bombes! Excellent! Excellent! Go! Soy! Ok. Ouais. Niveau terminé! Check ça! Trop on facile. A été trop bons! Bon, par contre, du coup, toutes les prochaines vidéos sont pour toi. Parce que là, t'as pris cher de ouf. Niveau 1, terminé, temps écoulé. 18 minutes 5, l'air d'un mot de passe. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'il y a les mots de passe. Bah, du coup, mémorisez-le. Messieurs, dames, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on poursuit? On continue. Pour cet épisode, je veux dire. Ah, je sais pas. Non, bah écoutez, moi ça me paraît bien. On vous fait de gros bisous. On espère que ça vous plaît. Style, ça te plaît? Oui. Honnêtement, c'est chouette. Ça le ça fait. Ça me plaît. L'aventure sur Goof Troop continue avec l'épisode 2. Très bientôt. A plus tout le monde. Je laisse les mains en l'air pour attraper les bombes. Si tu veux.